Parlez pas à votre femme. Moi, je parle souvent à ma femme. Elle dit quoi? Bon, jusqu'au lancement de l'AFC, ma femme ne connaissait pas ce qu'on faisait. Oui, après? Mais c'est quand elle a vu les photos sur les réseaux sociaux que c'est à l'armée, elle a commencé à... Elle n'était pas en fait contente. Est-ce que vous pouvez nous parler franchement des contacts internes à l'AFC? Des contacts, que veux-je dire par contact interne? Je veux dire que vous avez trouvé des soutiens militaires à l'extérieur. Vous avez trouvé une branche armée. Mais vous avez besoin de cadres politiques. Ces cadres politiques-là, je suppose que vous comptez les trouver ici, oui, à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Chef, je pense que je vous avais encore parlé de... et vous avez cité quelques noms. Oui, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire. Ça fait longtemps, mais hein, il y a déjà que je connais qui prenaient souvent contact avec moi. Comme qui? Comme... comment ils s'appellent encore? Les députés de Canada, ça fait quoi? Claudel. Claudel Baya. Il y a les vieux Olinga Koy. Il y a le professeur Bobby Kabamba. Il y a Adam du PPRD. Quel Adam du PPRD? Adam Charles. Albert Charles. Ouais. Il y a l'autre qui était à Roger Frère. Et qui c'est lui qui était le DG de Roger Frère. Ça peut commencer à être galant. Souvent, je ne sais pas encore. Albert, c'est le petit de Jean Moukoutou. DG de Loger Frère. Oui, l'ancien DG de Loger Frère. Son nom m'échappe là. On l'attendait au fait à Kigali. Émile. Non, il a été d'ailleurs arrêté, il était à Makala. C'est Émile. Je ne sais pas son nom. C'est Erega. Il est Erega de Manima. C'est. Il est encore jeune comme ça. India. Hein? India. Non, pas India. India. Non, pas India. Émile. Pas Émile. Il était DG à Loger Frère. Ça peut pour encore. Vous l'attendiez à Kigali? Oui, vous l'attendiez à Kigali. Vous l'attendiez vraiment à Kigali. Et il n'est pas venu pourquoi? Non, je ne sais pas si. Je crois qu'il doit. Peut-être qu'il est venu après moi. Je vais me rappeler de son nom. C'est un nom qui m'est vraiment familier. Mais c'est... Côté militaire, nous, on n'avait pas de contact militaire. C'est lui qui avait les contacts militaires. C'est pas nous, c'est le général John Numbi. On parlait avec lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au Cornet, Nanga lui-même n'a pas de contact militaire. Ça, vraiment, je peux l'affirmer et le réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Il ne me cachait rien. Il n'a pas de contact militaire. Donc, les contacts militaires, c'était John Numbi. John Numbi est l'ancien président. Qui était chargé de monter la partie militaire. Patience Saïba, c'est ça? Ah oui, Patience Saïba. Est-ce qu'on parlait avec lui? Il était à Tanzanie. Il disait non. Il m'a dit c'est quoi de m'affaire que nous, on a fait un échange dans la Tanzanie. C'est Saïba. Et il devait vous rejoindre pour entrer dans votre mouvement? Oui, pour entrer l'AFC. Ok. Maintenant, revenons un peu sur le général John Numbi et sur l'ancien président. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?